Coucou tout le monde, c'est Géraldine de Scrap en Fleurs. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo également tuto, toujours dans l'esprit de décorer les jeunes journaux de récupération. Donc une nouvelle idée, toujours avec des choses de récup. Alors, plus ou moins, puisque celle-ci c'est vraiment de la récup, puisque ma mère m'a ramené ça de Normandie. Alors je ne sais pas où elle les a trouvés, mais j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Donc du coup, je vais les utiliser aujourd'hui. Après, si vous n'avez pas, vous pouvez tout à fait mettre des boutons, par exemple, hein, pour décorer. Moi, j'avais ça, donc ça allait bien, surtout avec la serviette. Donc la serviette, eh bien, c'est toujours les serviettes que je pique à belle-maman quand on va déjeuner chez elle. Donc celle-ci, je vais vous la montrer. Donc, alors, je sais pas où sont les autres morceaux. Donc là, c'est encore plus rentable. Donc voilà la quasi-totalité donc de la serviette, comme ça, ouais, comme ça, comme ça d'ailleurs même. Donc j'en ai prélevé donc un morceau. Avec ce morceau, j'ai déjà fait une première pochette et là, on va en faire une seconde. Alors, sur quoi je colle cette serviette? Eh bien, c'est un filtre à thé. Voilà, je vous montre un petit peu la boîte. Alors, cela m'avait été offert par ma nièce lorsqu'elle m'a offert une magnifique box de thé aux couleurs de toile de Jouy. Donc, c'était une boîte de thé avec différents thés. Une magnifique boîte. Et en même temps, ils envoyaient ceci. Alors, moi, j'ai une théière, donc je n'utilise pas. Mais je me suis dit que ça allait évidemment me servir dans mon scrap. Et c'est chose faite. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Donc, c'est un petit étui, donc tout simple. Ici qui a un fond qui permet donc évidemment de mettre le thé. Moi je vais le laisser à plat pour ce que je vais faire. Donc voici cette petite pochette, donc ça donne ça. Je n'ai recouvert que la face avant puisque le reste n'avait aucun intérêt puisque je pense la coller en fait directement dans mon junk. Alors attention, et là du coup c'est pour ça que je vais vous faire le tuto en direct hein, puisque ça reste quelque chose de très 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 fin et je vous montre comment j'ai procédé pour cette petite pochette. Donc on y va. Alors il vous faut évidemment un sachet de thé, une serviette et puis de la colle à serviettage. Tout simplement, on n'a besoin de rien d'autre. Éventuellement, donc une décoration, donc je vous dis, moi j'avais ça. Mais si vous avez des boutons, les boutons, on est sûr d'en trouver en récup. Voilà, ça peut être une bonne idée. Donc je prends, comme d'habitude, la première partie. Par contre, je vais juste mesurer, couper. Je vais vous expliquer après pourquoi. Alors, hop, je vais essayer de la mettre à peu près droite. Donc ici. Évidemment, j'ai pas tout préparé, notamment les ciseaux. Voilà, donc je vais essayer de couper droit. Voilà, et cette partie-là, je vais la garder pour le couvercle. Alors, évidemment, enfin le couvercle, le rabat, pardon. Ce rabat, il est trop grand pour moi, pour l'utilisation que je vais en faire. Donc, je le plie, puis d'abord parce que j'aurai pas assez de serviettes, donc je le plie. Par contre, il va falloir qu'il vienne en dessous, sinon j'aurai des problèmes. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, je positionne, mais avant toute chose, je ne sais pas si vous voyez dans ma pochette, ça c'est une pochette plastique de récupération, des vieilles pochettes de classeurs des enfants qui étaient un petit peu usagées, donc que j'ai ouvert. Et ça me sert toujours quand je fais mes petits collages, comme ça, ça m'évite à chaque fois d'avoir à nettoyer ma grande planche. Donc j'en ai découpé une partie. Pourquoi? Parce que comme je vais coller avec de la colle à serviette, ma pochette, si j'avais collé directement sans mettre cette feuille plastique à l'intérieur, eh bien toutes les surfaces auraient été collées et j'aurais pas eu de pochette, ça m'aurait servi à rien. Donc quand vous utilisez ce genre de choses, hein, puisque la colle va transpercer, donc mettez quelque chose à l'intérieur. Et moi en l'occurrence j'ai mis du plastique, parce que si vous mettez du papier ou du carton, ben, évidemment ça va adhérer donc au support. Avec le plastique, même si ça adhère un petit peu, vous aurez toujours la possibilité, comme la colle que j'utilise est plastifiée, ça va permettre de décoller l'intérieur. Enfin en tout cas c'est comme ça que j'ai procédé pour la première, pour celle-ci, et ça s'est très bien passé. J'ai pu conserver donc l'utilité de la pochette à l'intérieur. Voilà. Hop, donc mon plastique est mis. Alors j'ai un peu galéré pour le mettre, mais voilà, il est bien mis. Pensez à le mettre jusqu'en bas, sinon cette partie-là de la pochette va être aussi collée et ce serait dommage. Alors par contre, je vais retourner pour pouvoir travailler à l'endroit. Je positionne. Donc, c'est très simple, hein, la technique du serviettage, vous l'aurez compris. Voilà, il suffit simplement de coller la petite serviette dessus. C'est parti.
Alors, j'essaie de lisser au maximum, doucement évidemment pour pas que ma serviette se déchire. Vous savez que je suis un petit peu brute dans mes gestes, donc là j'essaye vraiment 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 de faire attention. D'une part, de ne pas la déchirer, et puis surtout qu'elle soit bien positionnée en fait, et qu'on n'ait pas trop de plis. Donc il faut être généreux sur la colle. Si vous n'êtes pas généreux sur la colle, c'est moins facile. Oups, voilà, je l'ai déchiré. Alors là, ne débordez pas trop parce que sinon ça va se coller. Et c'est pas le but, hein. Le but, c'est vraiment que vous utilisiez votre pochette à thé. Voilà, donc pour cette partie-ci, c'est fait. Là, par contre, voilà, je fais attention que ça se colle pas. Faut dire que j'ai coupé ma serviette de travers aussi. Je suis un peu bébête, hein. Ah oui, elle est complètement coupée de travers. Bon, c'est pas grave. Voilà, je la recouperai après. Ensuite, la partie du haut que je replie. Du coup, je la fais passer en dessous de la serviette. Voilà, c'est un petit peu délicat. Alors, c'est un peu délicat parce que du coup, il va falloir que je ne fasse que cette petite partie, mais l'envers. Donc, voilà, il va falloir que je fasse ça vite. Je remets mon petit bout. Donc ici, je vais le recouper sur le haut. Une petite bande pour garder le papillon. Voilà. Voilà, je pense que là, ça devrait être bon. Oui, super. Et une fois que j'ai collé ça, vous savez que j'ai plié donc l'intérieur entre guillemets de mon rabat. Et du coup, eh bien, comme je n'ai pas mis de plastique, là, le rabat va bien coller sur l'autre partie. Voilà. Donc là, je ne touche plus. Je laisse sécher. Aïe, je suis collée. Zut. Voilà, je laisse sécher gentiment. Et une fois que c'est fait, eh bien, vous n'avez plus qu'à décorer votre petite pochette. Donc, vous avez vu, ça prend vraiment pas de temps du tout. Il suffit juste d'avoir le bon matériel, les bons outils et la décoration qu'il vous faut. Voilà pour cette petite idée. Bien évidemment, vous retrouverez eh bien, tout ce que je vous montre en vidéo, en tuto, dans mon Junk Journal et que je vous montrerai début novembre. Voilà pour ce petit tuto. Je vous dis à très vite. Bye bye!